Alors bonsoir à tous et merci d'être là pour cette conférence. Je vois déjà des visages connus, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Je suis très contente de me trouver ici. Je suis Fleuriste, je suis journaliste, animatrice télé pour l'émission sur Radio 2M et disons militante pour les droits des femmes, si je peux me le permettre. Je suis très heureuse d'être là à Marrakech pour rencontrer encore une fois le public marrakechi, surtout concernant une thématique qui me tient particulièrement à cœur et qui visiblement attire, intéresse beaucoup de monde, si ce n'est tout le monde. Ce livre que je suis sur le point de présenter avec son auteur, j'ai présenté 5 fois. Et pour ne rien vous cacher, à chaque fois, c'est un livre nouveau que je découvre et c'est un débat intéressant. C'est pour ça que j'accepte à chaque fois de le présenter parce que je sais très bien que ça va m'apporter autre chose et que le débat avec le public aussi va m'apporter un nouveau regard sur la thématique. Donc j'ai le plaisir de présenter ce livre « Sexualité et célibat au Maroc, pratique et verbalisation ». On va le mettre bien en évidence, il s'agit d'un travail à partir de la thèse de doctorat de la sociologue Sanaa El-Hadji à l'université de Marseille, Aix-en-Provence, et qui porte sur un sujet qui revient sur cette question de la sexualité préconjugale, un sujet qui devient de plus en plus pressant et présent sur la scène publique, tout en étant un tabou. Je rappelle aussi que Sanaa El-Hadji, pour exprimer quelque part sa légitimité pour parler de ce sujet, a aussi travaillé pour son master sur la question de la sexualité préconjugale féminine, c'est ça ? Féminine. Et donc, voilà, c'est un intérêt qu'elle porte à la question depuis longtemps. Bien avant, elle a été journaliste à Nichem, et là, elle s'est intéressée depuis toujours à ce genre de questions. Donc, peut-être que la première question qui se pose... la chronique. Alors, la première question qui s'impose, je pense, c'est pourquoi le choix de ce sujet, Sanaa? Avant de répondre à ta question, je dois merci d'avoir accepté de présenter cette rencontre et merci à vous tous d'être présents ce soir pour cette présentation et ce débat qui, j'espère, nous apportera à tous de la valeur ajoutée. Alors, pourquoi travailler sur ce thème? Je pourrais dire pourquoi pas. Mais en même temps, c'est une question très intéressante dans le sens où on me l'a posée pendant les 6 années qu'a duré ce travail de thèse. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un « je fais une thèse en sociologie », au début, les gens sont contents, ils vous disent « ah, c'est super, et c'est quoi le thème ?» Et dès que vous dites « sexualité préconjugale », il y a soit un rire gêné, soit de la gêne, soit de la timidité, parce qu'on considère que c'est un sujet dont on peut parler un peu dans la presse, on peut faire des chroniques sur ça, mais ça ne mérite pas une recherche scientifique, académique, ça ne vous donne pas suffisamment de légitimité quand vous travaillez sur un sujet considéré pas si important comme la sociologie du travail, de la famille, etc. Or, quand on travaille sur la sociologie de la sexualité, en tout cas pour moi dans ce travail, la question n'était pas d'étudier les pratiques sexuelles en tant que pratiques physiques, individuelles, mais en tant que rapports sociaux, identitaires, culturels, etc., dans une société qui, qu'on le veuille ou pas, est en mutation. Et l'objectif de ce travail n'est pas de donner une légitimité à des pratiques sociales qui peuvent effectivement être socialement rejetées. Mais c'est vraiment d'essayer de comprendre les mutations et les transformations que connaît notre société. Et si vous permettez, si tu me permets, Fedor, je vais donner un exemple démographique. Dans les années 60, l'âge moyen du premier mariage au Maroc était de 17 ans et demi pour les filles, 24 ans pour les hommes. En 2010, il est passé à 27 ans environ pour les femmes et 31 ans pour les hommes.
L'espérance de vie est passée de 41 ans, 42 ans dans les années 60. Les années 60, c'était il n'y a pas très longtemps. À aujourd'hui, 72-73%. Pourquoi j'annonce ces chiffres? Parce que les transformations démographiques nous mènent forcément vers des transformations sociales. Quand dans les années 60, les gens se mariaient à 17, à 15, à 16 ans, on ne parlait pas de sexualité préconjugale, pas parce que les Marocains étaient plus pudiques, mais tout simplement parce qu'ils se mariaient plus jeunes. Et donc la question ne se posait pas, on n'avait pas beaucoup de légitimité pour être posée. Autre chiffre, cette fois-ci beaucoup plus récent, le célibat définitif. Ce que le HCP, le Haut Commissariat au Plan, appelle célibat définitif, c'est quand on arrive à l'âge de 50 ans, sans jamais avoir été marié. Entre 1974 et 2010, et donc en 16 ans, il a été multiplié par 8 au Maroc et par 10 pour les femmes en milieu citadin. Tous ces chiffres ne signifient pas un désaveu de l'institution du mariage. Ça ne veut pas dire que les Marocains ne veulent plus se marier. L'institution du mariage reste quand même très importante dans la société marocaine. Et c'est en fait la consécration du parcours de l'individu, encore plus pour la femme. Mais les transformations économiques, sociales, démographiques, etc. font qu'on se marie de plus en plus tard et pour certains, on ne se marie jamais pour différentes raisons. Ceci fait qu'une thématique comme la sexualité préconjugale a toute sa légitimité aujourd'hui. Or, pour parler peut-être de mon parcours entre journaliste et le fait de le faire dans un travail de recherche, souvent, je n'ai pas écrit que à Michel et elle, mais dans beaucoup de supports de presse au Maroc et à l'étranger, et j'ai parlé de beaucoup de sujets, et entre autres des questions de la sexualité. Et souvent, on me disait, parmi les critiques, c'est des fantasmes, la société marocaine est conservatrice, ça n'existe pas, etc. Et à un moment, pas seulement pour répondre à ces critiques, mais même vis-à-vis de moi-même, j'avais besoin d'une meilleure compréhension de ces transformations sociales, parce qu'effectivement, ça peut nous arriver d'être dans un cocon, dans un environnement particulier, personnel, qui fait qu'on ne maîtrise peut-être pas suffisamment toutes les mutations sociales. Et donc, au lieu de me contenter de la chronique ou de la pratique journalistique, j'avais besoin aussi de passer à la recherche sociologique pour mieux comprendre de manière académique et de manière scientifique un certain nombre de questions dans la question de la sexualité. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression peut-être que c'est mon petit côté féministe, mais est-ce que, c'est juste une question comme ça, est-ce que ça aurait été la même chose si tu étais un homme en fait? Est-ce qu'un homme pourrait avoir plus de légitimité de parler de sexualité qu'une femme? En tout cas, à titre personnel, je peux dire que la réception chez l'auditeur est parfois plus facile. C'est plus facile pour certains auditeurs d'entendre un homme parler de la sexualité qu'une femme. Maintenant, quand je parle par exemple de ma phase terrain, j'avais moi-même cette petite appréhension, notamment quand je devais faire des entretiens avec des hommes. Donc je me disais... peut-être un petit point sur la méthodologie. Je n'ai pas fait une recherche quantitative, mais plutôt qualitative. Donc, vous ne trouverez pas beaucoup de statistiques, en tout cas pas des statistiques que je fournis. Dans le livre, si vous trouvez des statistiques, c'est des recherches faites par d'autres chercheurs. Et les chercheurs qui font un travail en se basant sur la méthode qualitative ont le choix entre faire eux-mêmes les entretiens ou passer par d'autres chercheurs ou étudiants on s'organise et ces personnes font les entretiens pour nous. J'ai personnellement fait le choix conscient de faire tous les entretiens moi-même pour éviter la variabilité de l'effet intervieweur. Parce que justement, comme ce n'est pas un questionnaire précis avec des questions précises, l'interactivité avec la personne est importante et donc je voulais éviter la variabilité via plusieurs intervieweurs. Et donc, effectivement, j'avais un certain nombre de préjugés, que les personnes ne parleraient pas facilement de la question, qu'il y aurait de la gêne, qu'avec les garçons, ça se passerait de manière particulièrement difficile, etc. Et je me suis rendu compte que non. Il y a effectivement eu des personnes qui ont refusé de répondre. J'explique tout ça dans l'introduction, toute la partie méthodologie, certaines personnes qui ont refusé de participer. Mais j'ai surtout senti ce besoin de s'exprimer chez les gens. Bon, il fallait bien évidemment toujours au début rassurer les gens sur l'anonymat, parce que c'est des individus qui parlent de leur parcours sexuel, de leurs sentiments, etc. Notamment pour les femmes, parfois, ça peut être des questions sensibles. Et donc, il fallait forcément rassurer les gens sur l'anonymat. Les premières minutes de l'entretien
Vous pouvez par moments être un peu difficile, mais les individus en tout cas que j'ai rencontrés avaient ce besoin de s'exprimer et pas facilement et pas forcément plus difficilement chez les garçons. Chez les filles, je le note aussi un moment dans le livre, c'était pas systématique, mais avec certaines filles, par moments, elles me posaient des questions sur ma propre sexualité. Et la première fois où c'est arrivé, j'étais gênée. Mais quand j'ai essayé d'expliquer ça, c'est pas une réponse définitive parce que c'est pas leur réponse, c'est une interprétation. C'est des filles qui reconnaissent transgresser des normes sociales face à une femme chercheur, oui, mais qui reste une femme de leur milieu social, de leur société marocaine, etc. C'est-à-dire, je ne suis pas une chercheure américaine, française, etc. Et donc, peut-être et probablement pour éviter le sentiment d'être dans une transgression qu'elles ont du mal à assumer, pour éviter d'être jugée par la chercheur que je suis, c'était une manière de, entre guillemets, me noyer avec elle. Si moi je suis dans la transgression, ben, il faudrait que tu y sois. Et à un moment, je me suis dit, ben, si ça va les rassurer pour parler, ça pourrait être une séance de confidence entre jeunes filles marocaines et ça les aidera peut-être mieux à s'exprimer. Et donc les difficultés ne viennent pas forcément là où on les attend. C'est, en tant que femme chercheur, je m'attendais à des difficultés chez les garçons, c'était pas forcément ça. Alors, parmi les fois où vous avez, où tu as travaillé sur cette question aussi, j'aimerais que tu nous parles juste brièvement avant d'attaquer le contenu du livre de l'expérience qui a été, oui, je pense, décisive aussi dans le choix de ce sujet. Peut-être pas décisive dans le choix du sujet, mais il était pour moi, dès que j'ai choisi ce sujet, il était important de parler de Minatralbe Ilafal. Non pas parce que c'était la seule rubrique qui a parlé de la sexualité, mais parce que c'est un sur l'Ahdath al-Maghribiya. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Minatralbe Ilafal, moi j'ai traduit en toute confiance, je pense. C'est une rubrique qui a existé pendant les années 90 sur le journal, le quotidien arabophone marocain, Al-Ahdath al-Maghribiya. Et à la base, la rubrique n'était pas dédiée aux questions de sexualité. C'était une rubrique pour les jeunes, pour qu'ils s'expriment. Et progressivement, les questions... Pardon, excusez-moi. C'est le houlmès que j'ai bu avant. Excusez-moi. Le contenu s'est transformé en une majorité de questions sur la sexualité. Et remettons-nous dans le contexte des années 90, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore WhatsApp. Et il n'y avait pas encore les blogs, il n'y avait pas encore Internet, et puis on était encore un peu dans l'ère Hassan 2, où il n'y avait pas tous les médias, n'étaient pas libres, etc. Et donc les lecteurs avaient besoin de s'exprimer. Ça donnait une grande matière qui était parfois critiquée, parfois insultée, etc. Mais cette matière n'a jamais intéressé les chercheurs. Et il y a, avant moi, bien évidemment, des chercheurs qui ont travaillé sur la question de la sexualité, mais la sociologie de manière générale. C'est quand même une matière très importante. Maintenant, il faut quand même prendre certaines réserves quand on étudie une matière comme ça. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça ne concerne pas toute la société marocaine. C'était une population alphabétisée qui lit la presse, qui écrit à un journal. Et donc, c'est quand même une cible assez particulière. Deuxième élément, je n'avais plus accès au courrier original. Parce que d'ailleurs, les archives des années 90, chez l'Ahdath, mais je ne sais pas si c'est le cas pour les autres journaux, n'existent pas pour les années 90 en format numérique. J'ai dû travailler sur de grands registres avec le vrai journal qui a été édité à l'époque. Donc, selon la rédaction de l'Ahdath al-Maghribiya, il y a eu un travail de réécriture, parfois pour atténuer les styles quand il y avait des gros mots, etc. Et forcément, dans toute la partie titre, photo, etc. Et donc, il y a ces petites réserves à prendre en considération quand on travaille sur cette matière. Mais il y a certains éléments qui sont très intéressants. D'abord, la majorité du contenu venait des petites villes. On trouvait beaucoup moins Casablanca, Rabat, Marrakech, etc. que d'autres petites villes qu'on n'entend pas, ou en tout cas qu'on ne connaît pas suffisamment. Deuxième élément qui était important pour moi, et qui est probablement un petit manquement de la part de la rédaction de l'Ahdath al-Maghribiya à l'époque, cette rubrique permettait aux lecteurs de communiquer entre eux, mais il n'y avait jamais une réponse de la part d'une voix savante, un sociologue ou un psychologue ou un médecin, ou etc. Ce qui fait que, en fait, on avait deux pages où les lecteurs racontaient leurs problèmes, sentimentaux, amoureux, sexuels ou autres, parfois c'est les relations avec les parents, etc. Et sur deux autres pages, d'autres lecteurs qui apportaient des propositions de solutions. Dans l'absolu, c'est sympa,
sauf que ça permettait de diffuser beaucoup d'idées erronées, mais avec en plus la légitimité du journal. C'est-à-dire que pour moi, lecteur qui lit ça, ben, j'ai lu ça dans un journal, c'est vrai. Et je vais donner quelques exemples. Quand certaines personnes racontaient, par exemple, des pratiques masturbatoires, dans les réponses par la suite, on entendait, on lisait, pardon, on n'entendait pas, des gens qui disaient, mais attention, si tu te masturbes, tu risques de devenir aveugle par la suite. C'est une idée reçue qui a existé même dans les années 60, quand on écoute les émissions sur la sexualité dans les années 60-70 en France, on se rend compte que ce type de préjugés ont existé dans d'autres sociétés. Normal, dans des sociétés où on n'a pas d'éducation sexuelle, donc quand on entend que prendre la pilule, ça rend stérile, etc., et bien moi-même, quand je vais écrire un conseil sur un journal, je vais reproduire ça. Et quand on ne met pas des garde-fous et le journal ne met pas en place des réponses de la part de certaines voix savantes, pas pour apprendre aux gens, mais pour éviter surtout les idées reçues, ça permet de diffuser des idées erronées dans une société où, comme je le disais, il n'y a pas d'éducation sexuelle. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, on ne pourra peut-être pas rentrer dans le détail, mais l'une des idées reçues sur cette rubrique, c'est qu'elle encourageait la débauche, alors qu'en réalité, moi j'ai travaillé sur uniquement un mois, parce que c'était beaucoup de contenu, c'est déjà plusieurs, je pense que c'était 300-400 courriers, je donne en tout cas le chiffre dans le livre, mais j'ai oublié maintenant, c'est beaucoup de matière, et bien sur la période que j'ai étudiée, c'est un discours quand même assez moralisateur. C'est-à-dire qu'il suffisait que les gens, surtout quand les femmes racontaient des relations sexuelles, etc., les réponses étaient souvent dans la moralisation. Mais ce qui est resté dans nos têtes, c'est que c'était une rubrique qui encourageait la débauche. Alors, dans le livre, le premier chapitre, ça parle un petit peu de la méthodologie du travail, parce que ça reste quand même une thèse de doctorat, et donc... tu as tenu à montrer un petit peu comment tu as travaillé. Juste après, tu as commencé par installer la représentation du corps dans la société. Quelle représentation faisons-nous du corps féminin et masculin ? Est-ce que c'est différent ? En fait, le livret est fait en trois parties, en dehors justement de l'introduction à la partie méthodologique, etc. Une partie qui est consacrée aux représentations, et je vais revenir à la question de Fédois, mais aussi au cadre normatif, le rapport à la religion, le rapport à la légalité, la légitimité de la loi par rapport aux pratiques sociales, etc., mais aussi tous les canaux de transmission des valeurs traditionnelles, etc., et donc le rôle de la mère. Deuxième, le rôle de la mère, entre autres. La deuxième partie est consacrée à la verbalisation, et c'est une partie qui, à mon sens, est très importante, parce que comment on dit l'amour, comment on dit la sexualité est très très important. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec la sexualité, mais pour illustrer l'importance du discours. Dans la langue française, quand je vous annonce une bonne nouvelle, vous allez me dire que ça me fait chaud au cœur. En arabe, je dirais « yuthliju sadri ». Et en darija, je dirais « birtili el gilb ». Parce que le climat a un impact sur notre culture et sur notre rapport au sentiment, à l'autre, les rapports de genre, etc. Et vous imaginez que dans la sexualité, il y a tout un chapitre, par exemple, qui analyse les expressions de drague dans la rue. Alors, on s'est peut-être habitué en darija, on les entend, notamment les femmes dans la salle. Mais quand j'ai essayé de faire quelques traductions en français, c'est vraiment limite cruel. Et c'est peut-être important de comprendre notre rapport au corps et à la sexualité en comprenant comment on dit l'amour, comment on dit la sexualité, comment on exprime le désir, le sentiment, etc. Et dans la partie verbalisation, c'est aussi toute la partie débat autour de la sexualité. Parce que, et ça on me l'a souvent dit, notamment quand je vais en France, c'est un sujet tabou au Maroc. Oui et non. Parce qu'en même temps, c'est un sujet dont on parle dans les médias. Vous n'ouvrez pas un jour les journaux au Maroc ou les sites électroniques ou Facebook sans entendre parler de sexualité, et ce n'est pas récent. Il y a eu des livres, heureusement, donc mon livre n'est pas le premier, il y a eu d'autres chercheurs qui ont travaillé sur la question. Et donc oui, c'est un sujet tabou, mais en même temps, non, parce qu'on en parle aussi. Donc voilà, cette deuxième partie est consacrée à la verbalisation et au discours. Et la troisième partie est consacrée aux pratiques, mais pas en tant que pratique physique et position ou autre, mais c'est les pratiques sociales liées à la sexualité, notamment, par exemple, la problématique du lieu. Au Maroc, sur les 18-24 ans, 0,1% habite seul, 0,3% habite avec des amis.
ce qui fait que 99,7% des 18-24 ans habitent avec leurs parents. Et donc aujourd'hui, quand on a 18 à 24 ans au Maroc et quand on a une petite copine ou un petit copain et qu'on a envie d'avoir un rapport sexuel, comment ça se passe? Je pourrais peut-être revenir sur cette question, mais ça a un impact très important sur la sexualité. Et là aussi, il y a une approche genre, parce que ça ne se passe pas de la même manière pour les garçons et pour les filles. Donc la question de la virginité, les travaux en tout cas que j'ai pu étudier, on travaille sur la virginité masculine, mais la virginité féminine, on ne parle pas suffisamment de la virginité masculine, comment elle est représentée dans la société, etc. Et les relations monétarisées, mais pas la professionnalisation de sexe. C'est-à-dire tout ce type de relation où une femme ou un homme peut entretenir une relation avec un partenaire sans que ce soit une relation professionnelle de sexe où la contrepartie immédiate est l'argent. C'est une relation sur la longue durée, mais où un partenaire considère que ben, c'est tout à fait normal que l'autre paye un certain nombre de charges puisqu'il y a cette relation. Alors très souvent, c'est plus l'homme qui va prendre en charge la femme, mais j'ai pu étudier des cas où c'est le garçon aussi qui profite dans une relation où l'argent est une composante très importante de la relation. C'était quoi ta question ? La représentation du corps, oui, de la femme. Mais justement, en fait, ça nous ramène à cette question. Genre, vous avez parlé de virginité, de plusieurs questions qui montrent un petit peu cette différence de considération. Oui. Alors, comment représenter le corps féminin dans la société marocaine et quelle différence avec le corps masculin? En fait, sur tous les aspects, sur le corps, la virginité, le passé sexuel, il y a toujours une socialisation genrée, il y a une approche différente. C'est-à-dire que la loi religieuse et le droit positif sont les mêmes pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire que, alors quand je parle de la religion, on va parler de l'islam sunnite, et on ne va pas parler des autres minorités religieuses qui peuvent exister au Maroc. Et quand on parle de sexualité, je parlerai aussi essentiellement des relations hétérosexuelles, parce que je ne vais pas travailler sur la question de l'homosexualité. Et donc, dans la relation à la religion musulmane interdit les relations sexuelles aux hommes et aux femmes. La loi marocaine, c'est la même chose. Sauf que dans l'approche sociale, il y a une grande différence entre le rapport au corps de la femme, au corps de l'homme, la virginité de la femme, la virginité de l'homme, etc. Sur une question, par exemple, comme la question des mères célibataires, il est intéressant d'observer que juste l'expression père célibataire n'existe pas. Sauf qu'à moins qu'on soit une deuxième mari, une vierge mari, si une femme est tombée enceinte et qu'elle a donné naissance à un enfant, c'est que forcément il y a eu une relation sexuelle, consentante ou pas. Ça peut être un viol, ça peut être une relation consentante, mais forcément, l'enfant est le fruit d'une relation sexuelle avec un homme. Sauf que juridiquement, socialement, économiquement, on responsabilise la femme. Malheureusement, l'enfant aussi, mais pas le père. Et c'est intéressant dans le sens où c'est comme si on avait au Maroc un cahier de charge sociale pour les hommes, un cahier de charge sociale pour les femmes. Quand on arrive à l'institution du mariage, il faudra qu'on respecte ce cahier de charge selon notre identité sexuelle. Et donc, par exemple, même si aujourd'hui on parle de l'importance de l'éducation chez les filles, même si aujourd'hui les meilleures notes dans les lycées sont obtenues par les filles, dans les grandes écoles, aujourd'hui, alors la fac de médecine à CASA, c'est 70% d'étudiantes. Mais malgré tout, dans les représentations, c'est le garçon qui doit étudier, travailler, parce qu'à la limite, une fille, quand elle arrive au mariage, même si elle ne travaille pas, ce n'est pas très grave. Par contre, une fille, quand elle arrive au mariage, il faut absolument qu'elle ait gardé son hymen. Pas forcément qu'elle soit vierge, mais qu'elle ait gardé son hymen. C'est-à-dire, ce qu'on demande à une fille, donc pour respecter son cahier de charge sociale, ce n'est pas qu'elle n'ait pas de relation sexuelle. C'est qu'on ne sache pas qu'elle en a eu. Et donc, Fulhoum a dit à Rome, dans son quartier, il ne faut pas que les gens soient au courant. Pas dans la famille. Il ne faut pas que l'hymen soit touché. Donc, il faut que l'hymen reste intact, etc. Et donc, c'est, d'ailleurs, même encore une fois dans la verbalisation, souvent parmi les conseils que va donner une maman à sa fille, c'est hdedak le blaza. C'est-à-dire, fais attention à ton hymen, à la pénétration, etc. À la limite, les autres parties du corps ne laissent pas une trace sur un éventuel passé sexuel ou pas. Par contre, pour le garçon, il faut surtout qu'il arrive au mariage avec un passé sexuel. Et plus on le sait, mieux c'est. Y compris d'ailleurs pour sa future femme. Quand j'ai interviewé des femmes pour réaliser ce travail, quand je leur disais est-ce que vous voudriez accepter, est-ce que vous voudriez vous marier avec un homme qui n'a jamais eu de relation sexuelle, c'était systématiquement non. Parce qu'on arrive aussi, c'est la répartition des rôles dans le couple,
va au-delà des relations économiques, le partage des charges dans le ménage, etc., y compris sur les questions de sexualité. La notion d'expertise sexuelle, kerf ou la makerf, valorise la masculinité, mais elle dévalorise totalement la féminité. Une femme qui sait est une femme qui est de mœurs légères. Un homme qui sait, ça valorise sa virginité, sa vérité. Et j'ai travaillé sur des témoignages dans des émissions radio, notamment l'émission qui était présentée sur Atlantique par... Comment elle s'appelle ? J'ai oublié son nom. Mais c'est une journaliste connue qui a présenté pendant des années une émission consacrée chaque jour à une thématique donnée. Et les jeudis, c'était consacré à la sexualité. Non. C'est le docteur... Ça me viendra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est une journaliste connue. Et dans certaines des émissions, dans ses archives, il y a eu des témoignages d'hommes qui ont dit, en parlant de leurs ex-fiancés ou copines, je l'aimais beaucoup, c'était une fille très sympa, mais quand on a eu une première relation sexuelle, j'ai découvert qu'elle sait. Et en fait, c'est, voilà, parce que ça, c'est comme si ça inversait les relations, la répartition des rôles dans les couples. L'expertise sexuelle, comme je vous disais, renforce la virilité de l'homme, sa masculinité, et dévalorise la valeur de la femme. Le passé sexuel, quand il est riche, valorise la masculinité et dévalorise la féminité. D'ailleurs, quand j'ai interrogé des hommes, par exemple, sur la question de virginité, les expressions qui revenaient pour les hommes qui acceptaient de se marier avec une fille qui n'était pas vierge, c'est si c'est un seul homme, je pourrais lui pardonner. Je pourrais même changer de ville pour elle. Elle a commis le grand péché. Chouan Khalid. Merci Yassine Adnan. Merci la journée. Atlantique. Elle est avec Abdou Mouhid Dynamique le groupe. Oui, j'avais dit Atlantique tout à fait. Et merci Yassine. Et donc voilà, pour résumer de manière générale et pour ne pas prolonger les exemples. Qui était son partenaire dans l'émission exactement et qui répondait aux questions des individus. Et donc voilà, pour ne pas prolonger les exemples, c'est la loi et la religion sont les mêmes, mais l'approche sociale est très très différente que l'on soit un homme ou une femme. Ces approches-là, parce que... tu parles quand même d'une société qui est en perpétuelle mutation, heureusement d'ailleurs. L'image de la femme, du corps de la femme et du corps de l'homme sont en train de changer aussi dans ce chapitre sur le corps de la femme et de l'homme. Tu parles de l'évolution du culte de la beauté par exemple et des exigences physiques, esthétiques, qui sont en train de muter, c'est-à-dire que même les femmes aujourd'hui, on en finit avec ce mythe de Raj Makitaj, que l'homme est irréprochable, et que maintenant elles exigent aussi certaines spécificités physiques, esthétiques. C'est des transformations qui sont encore difficilement mesurables, mais qu'on peut voir aujourd'hui, tout bêtement, par exemple, quand on est dans un supermarché au Maroc, dans le rayon beauté. Il y a aujourd'hui des espaces consacrés aux produits de beauté pour hommes, ce qui était quasiment inexistant il y a juste une dizaine d'années dans la société marocaine. Il y a effectivement dans les relations de genre, et c'est pour ça que, merci pour le proverbe, je disais tout à l'heure que la partie verbalisation est très importante, les proverbes marocains, les citations marocaines sur les relations de genre sont très importantes. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le cahier de charge. Plus important, c'est l'homme qui doit travailler, qui doit être... Même quand on est aujourd'hui dans d'autres réalités économiques, où 18% des ménages marocains sont pris en charge uniquement par une femme. Sans parler des ménages qui sont pris en charge par des hommes et par des femmes, mais dans les représentations, voilà, il y a des répartitions de rôles économiques, sociaux, etc. Mais la mutation est effectivement là, dans le rapport des individus à leur propre corps, y compris d'ailleurs chez les femmes, mais dans les rapports des individus au corps de l'autre. Et donc l'homme vis-à-vis de la femme, la femme vis-à-vis de l'autre. Alors, tu parles aussi du rôle des mères dans la socialisation sexuelle. Déjà, que signifie la socialisation sexuelle et quelle importance a ce rôle des mères? La socialisation sexuelle, c'est toutes les valeurs qu'on nous a inculquées de manière indirecte.
C'est ce que j'ai vu mes parents faire, c'est ce qu'on voit dans les rues, c'est les relations dans les films, c'est tous les jugements de valeur qu'on voit autour des femmes qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage, qui ont été stigmatisées, qui sont tombées enceintes, etc. Et tout ça contribue à constituer, à construire notre imaginaire par rapport à la question de la sexualité, la relation avec l'autre, etc. L'éducation sexuelle, c'est, voilà, c'est quelque chose d'officiel, de structuré, ça va être un cours à l'école, ça va être une émission à la télé, etc. La socialisation, c'est tout ce qu'on vit au quotidien et qui contribue à construire notre imaginaire et nos identités, notre rapport à la sexualité, etc. Et on dit souvent que les sociétés marocaines, la société marocaine est une société patriarcale, oui, mais elle est aussi une société où le rôle de la mère est primordial. Où la mère transmet ce patriarcat. Oui, alors il y a un livre qui a été fait par l'association Solidarité Féminine à Haute-Voix, et en fait c'est un livre qui englobe des témoignages de mères célibataires. C'est un livre très douloureux quand on voit les réalités, parce que si vous prenez des cas de mères célibataires qui ont été enceintes, soit suite à des viols, donc à ce moment-là elles sont véritablement victimes à 200%, soit des femmes qui ont aimé des hommes, qui ont fait confiance à un homme, qui ont eu une relation sexuelle et qui ont été abandonnées par cet homme par la suite, et que la société responsabilise. Mais qui les responsabilise et qui les condamne en premier, ce sont leurs propres mères. Donc quasiment toutes les histoires, et je rapporte dans le livre quelques histoires, soit la mère va virer la fille de la maison parce qu'elle doit protéger l'honneur de ses frères. Elle lui dit « Radit chou, hirout, radit sebrit bak », etc. Et donc il faut protéger les mâles de la maison, les mâles M-A-L-E, les hommes de la maison, pour protéger leur réputation, etc. Et donc, si la fille disparaît, ça laisse des doutes, mais si elle reste et qu'elle est enceinte, on confirme que voilà, elle n'a pas été suffisamment, son honneur n'a pas été suffisamment protégé par les éléments masculins de la famille. C'est la mère qui va condamner la relation sexuelle de son fils avec une autre femme, mais elle ne va pas condamner son fils. Par exemple, encore une fois, dans les cas des mères célibataires, quand la société civile arrive à convaincre le garçon de reconnaître le fils, souvent ce que dira la mère, c'est il s'est fait avoir et il a fini par se marier avec elle. C'est-à-dire qu'il n'est jamais responsabilisé. Je le dirais toujours, je m'intéresse beaucoup à la verbalisation, au proverbe, à la chanson populaire, à comment on exprime les choses, ça révèle beaucoup de choses de notre socialisation, de nos rapports à l'autre, etc. Et c'est aussi la mère qui va apprendre à son garçon qu'il voudrait mieux qu'il ait des expériences avec des prostituées. Dans jusqu'aux années 90, dans certains milieux sociaux, c'était avec, entre guillemets, excusez l'expression, les petites bonnes. Et Aïcha Chna l'a dit en direct sur 2M dans le cadre de l'émission Mokad al-Horouf, où elle a utilisé l'expression très dure mais réelle. Elle ramenait à la maison des petites bonnes pour que son fils apprenne ou s'initie à la sexualité sur le corps de la petite fille. Et pour cette jeune fille à ce moment-là, c'est une double domination. C'est la domination classique des hommes sur les femmes et c'est la domination économique parce qu'elle est le khadim ou malenta. Elle est la petite bonne avec le fils des maîtres de la maison. Et avec éventuellement les rêves qu'un jour, peut-être, qu'il va l'épouser, qu'elle va devenir elle-même, qu'elle ne sera plus la bonne, etc. C'est des réalités sociales où la mère va donc encourager le garçon, ou en tout cas, même si on ne l'encourage pas de manière directe, on ferme les yeux, on insulte qu'il doit se protéger, que par la suite, pour se marier, il faut que ce soit autre chose, etc. Et c'est elle qui va dire à sa fille, fais attention, etc. Et donc, dans la société qu'on dit matriarcale, au final, celle qui transmet et qui assure la pérennité des valeurs traditionnelles et patriarcales, c'est plutôt la mère et pas forcément le père. Alors, tu as parlé, dans le cadre de cette socialisation, de films et peut-être de littérature. Ça, c'est très important pour constituer un petit peu, pour forger notre image sur la sexualité, sur les codes sociaux liés à la question. Moi, je me rappelle d'un film, peut-être que... on est là pour parler de ton livre, mais j'ai tenu à en parler parce que c'est très important. Il y a quelques années, j'avais vu j'étais encore étudiante, j'avais vu un téléfilm où une jeune fille se fait violer par quelqu'un qui sortait à peine de prison. Et en fait, bien sûr, on le cherche partout, et quand on le trouve, et ben la victime
fini par dire que voilà, qu'elle lui pardonnait et qu'elle était amoureuse de lui. Et donc, il se marie et ça finit dans la joie et dans la liesse. Et juste après, enfin, quelques années après, on a le drame de Damien El Fidali. Donc, jusqu'à quel point ce genre de création, si on peut appeler ça comme ça, ou de livres qui banalisent et qui confortent certaines idées sociales, peuvent être dangereuses ou pas pour la société? Alors, en fait, ça dépend du traitement. C'est le traitement qui peut en faire soit des films ou des créations dangereuses ou au contraire salvatrices. Si c'est un livre ou un film qui va nous faire réfléchir justement par rapport à ces questions, c'est-à-dire si aujourd'hui quelqu'un fait un film sur l'affaire Amina Filali, mais pas dans le sens où quand même avec le Wilstera, ou la Sahrat, etc., ça va être très dangereux parce qu'il va conforter les idées selon lesquelles c'est le violeur quand il se marie avec la fille, même si la loi a changé, il l'a sauvée, et donc elle devrait être reconnaissante, etc. Ça nous conforte dans ces idées reçues. Et ça permet à ces idées de continuer à exister malheureusement. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement le changement des lois, c'est d'abord et aussi le changement des mentalités. Si on fait un film sur cette même question, mais sans être donneur de leçons, juste en montrant que c'est juste effroyable, aberrant, qu'on imagine aujourd'hui une fille qui a été violée, et qu'on se dise, bah, de toute manière, elle est seule. La solution, c'est qu'il se marie. Si ça nous permet juste de se voir en face, dans un miroir, et de se dire, ce n'est pas normal, ça nous fait réfléchir, ça fera réfléchir peut-être quelques éléments de la société, pas toute la société, mais c'est ça, en fait, qui mène vers le changement. Et donc, le problème, ce n'est pas le thème d'un film, c'est comment on le traite, et c'est ce qui peut renforcer un film ou un livre. Ce qui peut soit conforter des idées, soit bousculer un peu. Justement, je pense que tu en as fait l'expérience dernièrement. Je parle du film que tu as dû présenter et qui ne rendait pas service justement à la thématique des femmes, des mères célibataires. Oui, bon, il y a un film, ça n'a rien à voir avec le sujet. Il y a un film marocain, peut-être que certains parmi vous l'ont vu, enfin, franco-marocain. Sofiane, qui traite de la question des mères célibataires. Et j'ai été sollicitée pour présenter le film. C'était peut-être un peu une faute de ma part, parce que j'ai accepté gracieusement et avec plaisir dès que j'ai vu la thématique du film. Et bien évidemment, avant de présenter le film, j'ai dû le voir, mais uniquement en format vidéo, pour connaître le film avant de le présenter. Et je me suis rendu compte le jour de l'avant-première que c'était juste une gifle à la problématique et à la question des mères célibataires. Alors, pour des raisons professionnelles, je ne voulais pas me désister de la présentation, donc je l'ai fait. Mais c'est effectivement un film qui sert le discours de toutes les voix conservatrices qui considèrent que ben, les mères célibataires, c'est des femmes qui tombent enceintes avec quelqu'un d'autre et qui vont se coller à un autre homme pour lui coller un enfant qui n'est pas le sien, qui lui est la victime, etc. Et ben, malheureusement, c'est un film qui va dans ce sens et qui réconforte les idées dans ce sens. Je pense que... Alors, une question de principe, oui, à la liberté d'expression, mais c'est quand même dommage quand cette liberté d'expression casse le résultat du travail de la société civile pendant des années. On a quand même été pionniers au Maroc quand on a abordé cette question. Aïcha Chna a été insultée par tous les noms pendant des années. On n'a pas encore réglé tous les problèmes aujourd'hui, mais au moins on arrive à en parler dans des émissions à la télé, etc. Et c'est dommage que voilà, un film détruisent une bonne partie de l'effort de la société civile. Mais ça continuera malheureusement. Là, on est là pour faire attention à ce genre de choses. Alors, dans le chapitre verbalisation de la sexualité préconjugale, c'est très important car on se rend bien compte que les mots qu'on a en déjà pour décrire l'acte sexuel sont non seulement dénués de romantisme, mais ils sont carrément violents et crus. C'est-à-dire que l'expression faire l'amour n'a pas. Pas violent, non. En Délija, on ne dit pas faire l'amour. En Délija, bon, j'arrive même pas à le dire. Je pourrais jamais le dire. Et justement, même toi, tu ne pourrais jamais le dire. Et... Mais j'ai écrit. D'accord. Donc voilà. Est-ce que ceci
pose problème à la recherche et à la transmission au public de certaines notions et d'expliquer en fait la thématique de la sexualité. Est-ce que c'est un barrage? Non, c'est pas un barrage, au contraire, c'est une matière à étudier. Ça m'avait d'ailleurs beaucoup interpellée, parce que c'est non seulement un discours très violent, que je n'oserais pas prononcer maintenant, mais c'est un discours où la femme est mafrolon bira, parce que c'est toujours « il lui a fait ». Elle est dominée, elle n'est jamais acteur, actrice de l'acte sexuel. Et à partir du moment où on essaie de comprendre et de décortiquer ce langage, ça nous permet, sans blocage, bon, le plus difficile pour moi, en tout cas dans ce cas, c'était de récolter ce langage. Certaines expressions, en tant que Marocaine, je les connaissais, mais beaucoup d'autres expressions, j'ai dû, parce que quand j'interviewais les personnes, les hommes et les femmes, le discours au début, ça aussi c'est une question peut-être importante à aborder. Les entretiens, je les faisais dans la langue dans laquelle l'individu que j'avais en face de moi était le plus à l'aise. Donc certains entretiens se sont déroulés en français et d'autres en darija. Mais je me suis rendu compte que même les entretiens que j'ai faits en darija, dès qu'on arrivait à la verbalisation au moins sur la sexualité, les personnes passaient soit à l'arabe classique, soit au français, parce que soit on était gêné, soit on trouvait ces expressions très crues, etc. Et souvent, j'avais au début un discours un peu épuré. Les gens trouvaient des expressions en arabe classique, kelmas ma'aljins, etc. Mais quand je leur demandais les expressions, il y a forcément eu des moments de gêne. Mais à un moment, voilà, j'ai pu récolter ces expressions de comment on dit la sexualité, comment on exprime les désirs, mais aussi les expressions de ce qu'on peut appeler drague, parce que ce n'est pas de la drague à partir du moment où c'est tellement violent. Et on comprend aussi notre rapport à la sexualité à partir de notre verbalisation de cette sexualité. Alors, drague, justement, tu viens de parler de drague. On a l'impression qu'il y a un groupe, un amalgame très important entre drague et harcèlement. Comment expliquer justement, monsieur tout le monde, la différence entre drague et harcèlement? À partir de quel moment on passe de la drague au harcèlement? Ben c'est simple, quand la personne en face de nous exprime de manière verbale ou pas verbale qu'elle n'est pas intéressée et que nous on insiste, là ça devient du harcèlement. Sauf que pour beaucoup d'hommes dans notre société, on considère qu'il y a tellement de personnes dans la vie. C'est-à-dire qu'elles disent juste non pour que nous on insiste parce que du coup ça va la valoriser. Mais ce qui est très grave, c'est qu'aujourd'hui avec, si on peut appeler ça le débat autour de la loi pour la lutte contre le harcèlement sexuel, j'ai entendu moi-même dans des émissions radio au Maroc, je ne sais pas si on peut appeler ça des consultants, mais pas de simples auditeurs, c'est-à-dire des invités qu'on a appelés pour donner une valeur ajoutée au débat et qui disent, le moshkil, je vais essayer de traduire par la suite en français, le moshkil de la tralou, ou un an réside nisbet l'urgosa fulbled. Si on applique cette loi pour la lutte contre le harcèlement sexuel, ça va augmenter les chiffres. Le nombre des vieilles filles dans la société marocaine. Déjà, l'expression Roussa est elle-même très violente. Et je ne suis pas sûre qu'elle puisse exister dans d'autres langues. Mais voilà, c'est une personne pour qui c'est le harcèlement sexuel qui permet de nouer des relations par la. Non seulement elle disait que Roussa, mais elle a dit de dirigeant pour Rousseau Badialou, j'ai oublié la suite. Donc, non seulement ça va augmenter le pourcentage des femmes vieilles filles, mais en plus, ça menace la reproduction des Marocains parce qu'après, il n'y aura plus de relations maritales, de mariage, de reproduction, etc. C'est-à-dire que c'est un individu qu'on a invité dans un plateau d'émission radio et qui lui pense que c'est le harcèlement sexuel qui mène à des relations saines. Parce qu'il ne fait pas la différence entre drague justement et complimenter une femme et la harceler, en fait, il ne fait pas. Et je pense, je reviens à l'affaire de Amina Filali, etc. Tant qu'on n'a pas été exemplaire dans pas seulement les changements de loi, mais dans l'application de la loi, on continuera à victimiser les acteurs des actes de violence. C'est-à-dire que le jour où on mettra en prison les pédophiles, les violeurs, les personnes qui harcèlent pour des peines sérieuses, à ce moment-là, petit à petit et progressivement, la société considérera que ces personnes-là sont des véritables victimes.
tant qu'aujourd'hui on continue soit à se dire le mariage, soit à lui dire ce que vas-tu gagner si lui il va en prison, etc., on continuera à victimiser les personnes qui harcèlent et à considérer que c'est quelque part sa faute. Parce qu'elle a cherché, parce qu'elle était habillée d'une certaine manière, etc. Alors, dans cette verbalisation, les médias jouent un rôle très important. Parce qu'il n'y a pas un jour, comme tu as dit au début, où on ne lit pas des faits divers liés à la sexualité, liés à voilà, à la question liée à la liberté sexuelle. Mais souvent, on a l'impression que beaucoup de médias au Maroc reprennent le discours moralisateur de la société. Jusqu'à quel point, en fait, les médias ont un rôle, disons-le, néfaste, quelque part, sur la question? En fait, il y a différents discours dans les médias. On a le discours moralisateur, très courant. On a aussi, parfois, le discours revendicatif, et qu'on pouvait trouver notamment dans certaines expériences comme telle qu'elle, Michel, etc. On a un certain discours exotique dans les médias français quand ils travaillent sur la sexualité au Maroc. Lux Radio. En tout cas, depuis que j'ai sorti ce livre, souvent dans les questions que m'ont posées une bonne partie des journalistes francophones français, il y a eu quelques exceptions agréables, mais voilà, ils attendaient un certain discours sur la sexualité au Maroc, et dès que j'essayais d'expliquer la complexité des mutations sociales, ce discours n'était pas forcément reçu de manière positive. Mais en fait, ça c'est une question très très complexe, les médias au Maroc, on en parlait tout à l'heure avec Yassine Adnan et avec d'autres amis avant la rencontre. Les mutations que connaissent aujourd'hui toutes les sociétés avec les réseaux sociaux, les médias, etc., font qu'aujourd'hui on est dans une course au clic qui fait que il y a très peu de journaux électroniques aujourd'hui qui ont une ligne éditoriale. C'est-à-dire sur un site, on peut trouver aujourd'hui un article sur la sexualité dans un sens et demain dans un autre sens, parce que tout ce qu'on connaissait un jour dans les médias de la ligne, à quelques exceptions près. Et donc voilà, il y a un scoop, on va publier sur l'affaire de la fille du bus à Casablanca, si vous vous rappelez. Il y a eu deux sites marocains qui ont donné des interviews au voisinage de la fille, qui à l'époque avait dit que de toutes les manières, cette fille n'était pas vierge, et qu'elle avait déjà couché avec plusieurs garçons avant, et qu'elle a le sida et va transmettre ça aux garçons. Du coup, la transmission des valeurs et des idées et des représentations. C'est les garçons qui deviennent victimes, parce que les pauvres, ils vont attraper le sida à cause d'elle. Elle devient, excusez l'expression, la salope dans l'histoire. Et si elle n'est pas vierge, de toutes les manières, donc du coup, il est où le problème? Parce que de toutes les manières, elle n'était pas vierge au moment de l'acte. Ça, c'est des médias, dont un qui appartient, soi-disant, à un groupe qui défend les valeurs de modernité. J'ai pensé à un autre exemple, mais qui m'est parti maintenant de l'esprit. Mais on a souvent l'exemple le plus récent, c'est la fille qui dit être séquestrée par plusieurs hommes il y a eu l'intervention de l'esthéticienne. L'esthéticienne qui devient psychologue, qui analyse le discours d'une fille qui aurait été victime de viol. Il y a la jeune fille dans la région de Bendilir, dont le garçon essayait d'enlever le pantalon dans la rue. On a eu un média irresponsable, avec un proviseur dans l'école irresponsable, qui en dit de toutes les manières, c'est une fille paresseuse. Elle n'est pas sérieuse à l'école. Et ça, c'est normal que le citoyen normal, enfin c'est pas normal, on peut admettre que le citoyen normal pense comme ça. Un proviseur dans une petite région du Maroc, la socialisation, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, un petit voisin dans un quartier populaire, il pense ça. Mais quel est mon rôle, moi, en tant que média, en tant que responsable d'un média, qui il sait qu'avec une vidéo, il impacte des représentations, il impacte l'esprit des jeunes, des adolescents, etc. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est l'impact des clics et du nombre de vues. Et dans la vidéo du proviseur, on montrait le nom de famille de la fille et on montrait sa photo sur les fiches. Avec tout ce que cela peut représenter dans toutes les sociétés d'ailleurs, et encore plus dans un petit village, etc. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas que la question de la femme et de la sexualité et du harcèlement. Les transformations médiatiques peuvent avoir des résultats catastrophiques. Et ça, malheureusement, ce n'est pas que les lois qui peuvent changer. C'est des questions très complexes et très difficiles. Une parenthèse pour l'affaire Khadija de Dimoulin.
Alors, les réseaux sociaux, tu en as parlé, Sana, ont joué un rôle. Est-ce que les réseaux sociaux, avec tous les commentaires, le lot de commentaires qu'on y trouve, qui sont... Si tu permets, oui. Je voudrais juste, parmi les idées reçues qu'on peut avoir, c'est ces histoires des... C'est vrai, on a des médias audiovisuels très en arrière. Mais il faut aussi parfois reconnaître quelques petits moments de lumière. Sur 2M, l'émission Confidence de presse, ils ont consacré deux émissions à la question de la sexualité, une émission en français avec Aksama Diani, et ils m'ont reçu pour parler en darija de mon livre et de mon travail sur la sexualité. On peut considérer que de manière générale, il y a beaucoup de lignes rouges sur Al-Oula, dans le paysage audiovisuel marocain, mais dans les radios privées, dans les télés publiques, et pas que sur les questions de sexualité. De temps à autre, il y a des moments de lumière avec des émissions culturelles, littéraires, sociales, etc., qui sont là, et donc tout le tableau n'est pas noir. Ça ne veut pas dire qu'on va dire au Goulou l'Amzim. Oui, il y a un véritable problème dans les médias audiovisuels marocains, mais il y a des petits, de temps à autre, des petits moments de lumière qu'il faudra féliciter. Moi, je t'ai compris. Il n'y a pas de souci. Alors, on disait que les réseaux sociaux, en fait, parfois, mais nous, en tant que journalistes, toi aussi, en tant que sociologue, nous désespère tellement cette violence sociale à l'égard de la femme, à l'égard d'une certaine liberté de disposer de son corps. Je parle de femmes parce que ce sont souvent les femmes qui sont victimes, mais les hommes aussi de toute façon. Des fois, ça nous ramène tellement de noirceur qu'on en désespère. Mais est-ce que cette question, ce débat qui envahit les réseaux publics et les réseaux sociaux, finalement, n'a pas aussi un côté positif sur la question, l'évolution Forcément, dans l'affaire Kodrajou, Sois un homme, il y a eu d'un côté Sois un homme, et il y a eu une belle réplique de l'autre côté aussi, et donc les réseaux sociaux... Alors, juste pour expliquer Sois un homme. C'est, alors, Sois un homme, c'était un hashtag qui a circulé pendant l'été pour dire Sois un homme et interdit à ta femme de se mettre en bikini à la plage. Alors, juste pour l'info, c'est Marrakech qui a lancé ça. C'est marrant parce que Marrakech, à ma connaissance, il n'y a pas de plage, mais il y a tout. Mais la bêtise peut être à Marrakech comme elle peut être à Taounet ou à Hidkot ou à Casablanca, malheureusement. Parce qu'il y a eu il y a 2 ans, je pense, à Agadir, non-bikini, etc. Et d'ailleurs, on a répliqué avec des caricatures de femmes qui avaient rien, en fait, qui étaient en non-bikini. Et donc les réseaux sociaux, il faut les prendre aussi avec un peu de précaution, encore une fois sur toutes les questions, pas que sur les questions de sexualité. C'est, dans certaines sociétés, on a commencé à travailler sur le rapport des individus aux réseaux sociaux. Au Maroc, on n'a pas encore malheureusement fait suffisamment d'études sur l'utilisation des pseudonymes, sur les hashtags, où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça vient, etc. C'est des questions qui nécessitent la mobilisation non seulement de la sociologie, mais aussi de la psychologie, parfois. J'ai par exemple vécu des cas où il y avait des campagnes de lynchage de certaines personnes dans la société. Des actrices, des chercheurs, des journalistes, etc. Et quand on sortait avec ces personnes dans la rue, les gens les accueillaient agréablement. Ça m'est arrivé à titre personnel, c'est d'être dans la rue, de rencontrer un jeune homme dans un péage d'autoroute ou un vendeur dans une épicerie qui me disent parfois « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites ». Mais parfois vous me faites réfléchir par rapport à telle question, j'apprécie certaines positions, j'apprécie pas d'autres. Ça c'est la réalité de la société marocaine qui n'est pas toujours, que ne reflète pas toujours les réseaux sociaux. Maintenant les réseaux sociaux, c'est un espace de débat qu'on doit parfois prendre avec certaines précautions, qui permet à des voix conservatrices, etc., de s'exprimer, mais souvent la riposte est là, et ça traduit les mutations dans la société. Et je pense que c'est aussi une question très importante, parce que à chaque fois que parfois quand je présente mes livres, on me dit qu'il y a une régression, il y avait plus de liberté dans les années 70, etc. Je pense que c'est une question qu'on devrait peut-être interroger. Quand on me dit, par exemple, que dans les années 70, dans chaque quartier, il y avait un homme homosexuel et les gens le respectaient, etc. Oui, mais ces personnes homosexuelles étaient tolérées. Ce qui existe aujourd'hui, c'est des mouvements qui réclament des libertés individuelles et donc les libertés sexuelles pour les personnes homosexuelles et hétérosexuelles. On est arrivé à la revendication.
Avant, dans les années 90, on a tous un peu entendu l'histoire d'une fille qui est tombée enceinte et l'enfant a été inscrit dans l'état civil comme étant son frère. C'est arrivé dans beaucoup de familles marocaines et d'ailleurs, parfois aujourd'hui, les cas explosent pour des questions d'héritage. Parce qu'au décès du père, les autres frères disent « En fait, tu n'es pas notre frère, tu es notre neveu ». C'est des réalités sociales. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mouvements qui réclament des libertés individuelles et des libertés sexuelles. Après, c'est qu'avant, les gens alphabétisés lisaient dans la presse, ils étaient organisés dans des partis politiques, etc. Aujourd'hui, la parole s'est libérée pour tout le monde. Tout le monde n'a pas accès à certaines informations sur les lois, sur les évolutions internationales, etc. Et puis, il y a une autre question, c'est comment s'exprime parfois la transition. Il y a une théorie chez Michel Foucault qui est intéressante, qui nous dit que à partir du moment où il y a crispation sur une question, c'est qu'il y a transition. Et je vais schématiser. Aujourd'hui, sur les questions de sexualité, sur les réseaux sociaux ou ailleurs dans la société, si on veut caricaturer, puisque c'est plus complexe que ça, on a d'un côté un courant conservateur qui est contre, qui veut le retour à la norme de l'abstinence jusqu'au mariage, etc., et un courant qui réclame les libertés individuelles et les libertés sexuelles. Si on n'était pas en phase de transition, pourquoi il y aurait eu deux courants et un débat sur la question? Parce que tout le monde aurait été dans la norme de l'abstinence sexuelle et tout le monde aurait considéré que la norme, c'est de rester vierge, véritablement vierge jusqu'au mariage. À partir du moment où il y a tous ces « soit un homme, non bikini », etc., c'est qu'il y a une transformation qui peut déranger certaines entités, certains courants, etc. On ne peut nier aujourd'hui quand même la montée, c'est le contexte géopolitique, la montée de l'islam politique qui impacte, etc. Mais la transition est là, elle est effective et elle se passe parfois de manière crispée. Mais le côté positif du débat est aussi là. Mmh. Alors, preuve ce débat aujourd'hui. Exactement. Alors, le grand absent sur la scène, quand on parle de... ou la grande absente, c'est l'éducation sexuelle. Et l'éducation sexuelle, le rôle de la famille, le rôle de l'école, et comment les jeunes, finalement, font leur éducation sexuelle par tâtonnement, par certains moyens tels que Internet, notamment la pornographie, et quel impact sur les rapports sexuels par la suite. C'est peut-être une bombe à retardement. Beaucoup pensent que l'éducation sexuelle, c'est apprendre aux garçons et aux filles comment avoir des relations sexuelles. Or, par exemple, dans certaines études, aux États-Unis notamment, on a remarqué que les états où l'éducation sexuelle commençait plus tôt sont les états où les adolescents avaient leur premier rapport sexuel le plus tard possible. Parce que ce qui se passe, qu'on le veuille ou pas, un adolescent, une adolescente se pose un certain nombre de questions par rapport aux transformations de leur corps, etc. Quand ils n'ont pas les bonnes réponses à l'école, à la maison, etc., ils vont chercher les réponses soit chez leur père, P-A-I-R, c'est-à-dire chez leur copain. Et là, les idées reçues, les idées erronées sur, par exemple, chez les garçons, sur la question du nombre de rapports sexuels, de la puissance, de la performance. Ou alors on va aller chercher sur des sites internet. Alors jusqu'aux années 90, début des années 2000, pour voir un film pornographique, c'était quand même très compliqué sur le plan logistique. Il fallait se débrouiller une cassette VHS, il fallait avoir le lecteur vidéo à la maison, que les parents ne soient pas là, et on va chez un copain dont les parents sont en voyage, etc. Aujourd'hui, le taux de connectivité en internet mobile est de plus en plus élevé. Les chiffres de l'AMFT en attestent. Et puis même quand on n'a pas les moyens de se payer un smartphone, les cybercafés aujourd'hui au Maroc sont dans une moyenne de 3 dirhams l'heure, avec un accès illimité. Alors on n'a pas d'études sur l'impact de la pornographie sur les adolescents au Maroc, mais dans une étude qui a été faite en France, on avait observé que par exemple, chez beaucoup de garçons, des adolescents, garçons et filles, ils avaient des pratiques pornographiques alors qu'ils détestaient ça. Et quand on a essayé de creuser, quand on a essayé de comprendre, pour les filles, c'est parce qu'elles avaient peur de perdre leur copain, leur amoureux, et donc elles faisaient ce qu'elles voyaient dans les films pour les retenir. Et pour les garçons, c'était un enjeu de virilité.
Parce que c'est comme ça qu'on se représente l'homme viril dans un film pornographique, avec toutes les images sur la femme, par exemple, qui est prise dans un rapport sexuel par plusieurs hommes, l'éjaculation faciale, etc. Ça devient la sexualité normale pour les garçons, parce que c'est le seul apprentissage auquel ils ont recours. Alors ça, c'est dans une société où il y a un minimum d'éducation sexuelle à l'école, où on peut en parler un peu à la maison, etc., et on remarque les résultats. Et par hasard, je suis tombée sur des chiffres de connexion des Marocains sur les sites pornographiques. Mais en fait, à la base, je ne cherchais pas les chiffres de connexion. Je vous disais tout à l'heure que je m'intéressais à la question de la verbalisation, comment on dit la sexualité, etc. Donc, je suis allée sur ceux qui connaissent Google Trends pour voir les Marocains qui cherchent les tendances de recherche. Pour voir les Marocains, quand ils sortent du style pornographique, ils utilisent quelle langue ? Est-ce que c'est... Il y a tous les graphiques avec les chiffres dans le livre. Est-ce qu'ils utilisent l'arabe classique, le français, l'anglais, etc. Est-ce que, par exemple, c'est sexe avec E, sexe sans E en anglais ? Et donc, j'avais les résultats, c'était en 2015, j'avais les résultats sur une année qui était quasiment stable. Et d'ailleurs, une autre idée erronée, c'est qu'on dit que parce qu'il y a des frustrations sexuelles, les Marocains sont le peuple qui se connecte le plus sur les sites pornographiques, c'est une idée fausse. On est dans les tendances mondiales, on fait plus que certains pays, moins que d'autres pays, mais en tout cas, le rapport de causalité entre la frustration sexuelle, l'interdit sexuel et la connexion sur les sites internet n'est pas établi. Mais en fait, ce que je remarquais, c'est que, entre parenthèses, sur un site, les Marocains sont classés 3e après les Irakiens, je ne me rappelle plus quelle autre nationalité, mais c'est parce que c'est un site, en fait, qui fournit des films pornographiques en arabe. Et donc, forcément, on est bien classé entre guillemets, puisqu'on est entre sociétés arabophones. Mais sur les sites pornographiques internationaux, on est dans les tendances mondiales. Alors, en termes de durée passée sur un site pornographique, c'est les Chinois qui font le mieux. Mais ça ne s'explique pas parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi correspond la durée de connexion. Est-ce que ça veut dire que la personne, quand elle a... Souvent, on peut lancer l'hypothèse selon laquelle regarder un film pornographique s'accompagne par des pratiques masturbatoires. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est des individus qui arrivent à l'orgasme un peu plus tard? Est-ce que c'est des individus qui multiplient la pratique masturbatoire? Il faut accompagner ça par d'autres enquêtes et d'autres... C'est pour ça que je disais que parfois les questions peuvent paraître simples et simplistes, mais elles sont parfois plus complexes. Alors, je voyais que sur l'année 2015, le graphique était quasiment stable, avec des petites nuances, mais quasiment stable, avec une chute importante à un moment de l'année. J'essaie de comprendre, c'était le Ramadan, vous l'avez dit. Les résultats qui viennent sont un peu plus, peut-être, intéressants et inquiétants en même temps. Je vais chercher dans d'autres pays à culture proche. L'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. C'est quasiment la même tendance. Je vais prendre une semaine du mois du Ramadan en 2015. Alors 2015, c'était environ 15 heures de jeûne. Entre l'heure de Diyal Fajr, au moment où on arrête de manger, jusqu'à la rupture. Est-ce que vous pouvez deviner, alors pendant le Ramadan, la connexion sur les sites pornographiques existe en journée, mais de manière très faible. Pour ceux qui ne savent pas, sur cet outil de Google, on ne sait pas combien de personnes sont connectées. On a des tendances, mais on ne sait pas si c'est 100 personnes ou 1 million de personnes. Donc il y a des connexions, mais faibles, ce qui explique la chute du graphe, et elles reprennent à un moment de la soirée, qui est juste exactement 17 minutes après la rupture du jeûne. Alors, ça me fait rire et ça m'inquiète en même temps. Vous imaginez, je parle des personnes qui jeûnent, parce qu'il y a quelques personnes, mais on peut considérer qu'elles sont minoritaires, qui ne font pas le Ramadan. Vous imaginez ces personnes qui ont jeûné pendant 15 heures, en plein mois d'août, je pense que c'était juillet-août à l'époque en 2015, et 17 minutes, c'est quasiment la première cigarette, presque. Quand on prend, pour les personnes qui prennent le store en famille, quand on prend le store tout seul, on peut finir en 15 minutes. Quand on prend le store en famille, généralement c'est 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est-à-dire qu'on est encore autour de la table. On a encore à peine peut-être Jean-Pierre Kipoutman. Mais justement, parce que je n'ai pas besoin de mobiliser un lecteur vidéo, VHS, etc., je peux me cacher dans une salle de bain ou dans une petite pièce fermée avec mon téléphone portable.
c'est peut-être une forme d'addiction à laquelle nous sommes en train de faire face, qui peut nous faire, moi aussi, de temps en temps, quand j'en parle, ça me fait rire, mais en même temps, ça m'inquiète beaucoup, parce qu'on continue dans les discours moralisateurs de « il ne faut pas d'éducation sexuelle » ou « l'FSL », etc. Ok, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, la donne est là. Démographiquement, la société se transforme, on se marie de plus en plus tard. Cette ouverture sur le monde, aujourd'hui le jeune à Marrakech regarde des films sur Netflix ou sur YouTube, etc., et voit ce que peut vivre un jeune à New York ou à Montréal, etc. Les films pornographiques sont accessibles, il y a des films payants, mais il y a beaucoup de contenu pornographique qui est illimité. Est-ce qu'on va se dire qu'il fait ça, ou est-ce qu'on va se dire qu'il y a ces données qui peuvent mener, non seulement, ils n'auront pas un impact seulement sur la sexualité avant le mariage, mais même après le mariage. Le nombre de conflits sexuels qui peuvent naître dans des couples mariés, et le nombre de désinformations, de frustrations, etc. Soit on reconnaît les transformations de nos sociétés, les mots, les différents phénomènes, et on fait face à ça en accompagnant par de l'éducation, par de l'information, par des débats, par des émissions à la télé, etc., soit on continue à être dans le discours moralisateur, et ça pourra malheureusement... Par exemple, le ministère de l'Éducation, il n'est même pas dans le discours moralisateur, il est dans aucun discours, il n'en parle pas du tout, carrément. Parce que là, c'est exclu, en fait, il y a eu quelques actions timides, il faut dire que c'est une question tellement complexe que même la société civile n'est pas toujours... par exemple, l'ANCS, à par moment travailler sur ces questions, mais c'est toujours sous l'angle de la question d'éducation sexuelle. Mais même les actions qui ont été faites, c'est sous l'angle de la protection. Et ça aussi, c'est un amalgame pas forcément positif, parce que ça installe dans l'esprit des adolescents le binôme sexualité-risque. Et je dois prendre leur préservatif pour ne pas utiliser le préservatif pour ne pas avoir le sida, pour ne pas tomber enceinte, etc. D'autres exemples, par exemple, des impacts de l'éducation sexuelle, ou du manque de l'éducation sexuelle, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de cas d'adolescents qui pensent qu'en ayant des relations, peut-être même des adultes, mais en tout cas les cas que j'ai pu rencontrer, c'est des adolescents, qui pensent qu'en ayant des relations sexuelles sans pénétration, il n'y a pas de risque de grossesse. Et malheureusement, le risque est là, même quand la pénétration n'est pas aboutie. Et donc, ça donne lieu à des grossesses forcément non désirées, etc., chez des adolescents en bas âge. Beaucoup de désinformation aussi sur la question de l'hymen. Alors, j'ai rencontré 3 gynécologues à Casablanca uniquement, dans des quartiers différents, pour voir au niveau des milieux sociaux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas... En fait, je posais la question, est-ce que les gens demandent encore le certificat de virginité? Et bon, j'ouvre beaucoup de parenthèses, mais je parlais tout à l'heure parfois de certains médias français. Il y a un livre sur la sexualité au Maroc qui mélange et qui confond certificat de célibat et certificat de virginité, en disant que le certificat de virginité est exigé pour se marier au Maroc, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est exigé, c'est le certificat de célibat qui est exigé pour les hommes et pour les femmes, mais le certificat de virginité, c'est une pratique sociale chez certaines familles. Donc moi, je demandais à ces gynécologues, comme les femmes, est-ce que les familles le demandent encore? Ce qui m'intéressait, c'est le côté sociologique. Est-ce que la fille vient seule? Est-ce qu'elle vient avec ses parents? Est-ce qu'elle vient avec sa maman? Eh bien, souvent, elle vient avec sa maman. En deuxième lieu, avec la future belle-mère, qui vient donc contrôler la qualité de la marchandise. Et parfois avec une copine, etc. Mais ce que j'ai appris moi-même, d'ailleurs en faisant ce travail, c'est que la question des différents types d'hymen. Comme beaucoup, je pensais que l'hymen, c'est l'hymen. Mais en fait, il y a différents types d'hymen. La médecin à côté peut confirmer. En fait, il y a l'hymen flexible qui ne peut être défloré qu'à suite à une opération chirurgicale ou après l'accouchement. Et donc, avec chaque rapport sexuel, avec pénétration, il est flexible, il ne se déchire pas. Et donc la femme ne saigne pas. Vous pouvez imaginer ce qui se passe à côté. Et il y a l'hymen rigide, c'est ce qu'on appelle le mrelet sha, et en fait c'est un hymen rigide qu'on doit déchirer chez un médecin, un chirurgien à travers une opération. Et en fait l'hymen flexible, et cette gynécologue m'avait donné le chiffre, je l'ai oublié, mais il est très très courant chez les femmes.
Et donc vous imaginez le nombre de femmes qui ont été soit répudiées, soit tuées dans d'autres cultures où il y a les crimes d'honneur, etc., alors qu'elle avait juste un hymen flexible. Mais je vais vous raconter une anecdote véridique qui nous explique les drames dans lesquels on peut tomber quand on n'a pas d'éducation sexuelle. C'est une fille qui part chez le gynécologue pour avoir un certificat de virginité. Ce qui est très rare, elle vient avec sa maman et son papa. Cette gynécologue me dit, moi je ne me contente pas de faire l'auscultation et de donner une attestation, un certificat. J'explique aux patients ce qu'ils ont comme maladie, comme situation, etc. Et donc elle dit à la fille, vous avez un hymen intact. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas un certificat de virginité, c'est juste le nom populaire. Parce qu'on peut avoir un hymen intact et ne pas être vierge. Ça s'appelle un certificat d'hymen intact. Donc elle lui dit, vous avez un hymen intact. Ça, c'est une autre question qu'on peut aborder. Ah oui, il faut qu'on aborde, parce qu'il y a un point important. Et lui dit, est-ce que vous voulez que je vous explique tout seul maintenant ou avec vos parents? Et la fille lui dit, avec mes parents. Encore un autre fait très rare, parce que je pense qu'il y a très peu de filles dans cette salle, moi comprise, qui avaient envie d'étaler notre sexualité devant nos papas. Eh bien, la gynécologue lui dit, vous avez un hymen flexible, il faudra prévenir votre futur mari, vous n'allez pas saigner le jour du mariage. Vous savez, mademoiselle, ce type d'hymen est héréditaire. Forcément, votre maman ou votre tante ou votre grande sœur l'a. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Le père se jette sur les pieds de sa femme et pleure en lui demandant pardon. Ça veut dire que ce couple a vécu ensemble pendant au moins 20 ans. Ils sont en train de marier leur fille, donc c'est au moins 20 ans si ce n'est pas plus de mariage. Et ils ont tous les deux vécu avec le malheur de elle, l'injustice. Elle savait qu'elle était vierge, c'est juste qu'elle n'a pas saigné. Et lui, le sentiment de « c'est tout ça parce que personne ne nous a appris qu'il y a différents types d'hymen, qu'une femme peut ne jamais avoir de relations sexuelles et ne pas saigner, etc. » Et donc, ce n'est pas l'éducation sexuelle encourager la débauche, parce que les relations sexuelles, sans vouloir les nommer de manière moralisatrice et dire que c'est débauche ou pas débauche, ce n'est pas donner une légitimité à ces relations que de dire que l'éducation sexuelle est une nécessité. Aujourd'hui, si on ne fait pas de... Et les parents, la vérité, j'ai rencontré des parents qui me disent « j'ai envie de le faire avec mes enfants, mais je ne sais pas comment le faire ». Et je comprends parfaitement ces parents, parce que moi-même, je ne sais pas comment parler à un enfant de 7 ans, et de 8 ans, et de 15 ans, à quel moment dire quoi, etc. Mais on a besoin de ça de manière impérative. On était en train de... La virginité, hymen, etc. En fait... Toujours, encore une fois, dans le discours moralisateur qui nous dit où l'elfe facède, etc., vous entendez parler des réflexions d'hymen. Il y a des réflexions d'hymen chez les médecins, c'est-à-dire qu'une fille peut retrouver son hymen. Ça coûte entre 3 000 et 8 000 dirhams l'opération en fonction de l'état de l'hymen et en fonction si c'est par exemple une opération, parce que la fille va se marier le lendemain, donc elle dure 24 ou 48 heures, c'est 3 000 dirhams. Et si c'est pour toujours, ça coûte 8 000 dirhams. Mais aujourd'hui, il y a une autre solution commerciale, inventée par d'abord les Japonais et reproduite par la Suisse pour parler chinois, qui coûte 20 dollars les deux unités et qu'on peut acheter sur Internet. Au-delà de la solution commerciale, à la base, quand cette entreprise japonaise l'a inventée, ce n'était pas pour sauver l'honneur des filles marocaines, c'était un petit gadget sexuel comme ceux qu'on peut trouver dans les sex shops en Europe, aux États-Unis, etc. Et par la suite, ça a commencé à très bien se vendre dans des pays comme la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, etc. Et aujourd'hui, ça se vend dans les étalages. Alors à Casa, je sais que ça se vend à Sidi Ben Omar, à Marrakech, je ne sais pas où. Mais vous ne trouverez pas ça sur les étalages. Il faut passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Et une recherche toute simple sur Google vous fait tomber sur des sites. Alors moi, j'avais trouvé un site en Algérie qui vend ça en dinars, livraison gratuite en Algérie. Livraison payante pour d'autres pays et vous recevez ça dans un colis discret, etc. Au-delà du côté anecdotique de l'histoire, il y a deux points qui sont importants pour moi dans cette affaire. C'est que d'abord, la virginité, qu'on le veuille ou non, est en train de perdre sa valeur symbolique de chasteté. Parce qu'aujourd'hui, on peut la reproduire à volonté, quasiment à volonté. On est en train probablement de vivre la fin de la disparition définitive de l'hymen. Jusqu'à il y a juste 10 ans, quand une fille n'était plus vierge, n'avait plus son hymen, elle n'était plus. Aujourd'hui, elle peut redevenir vierge. Les gens ont commencé, les acteurs sociaux ont commencé à intégrer ça. C'est-à-dire moi-même, quand j'ai interviewé des garçons, ils me disent « Oui, je sais qu'elle peut avoir refait sa virginité. Oui, je sais qu'elle peut avoir
eu des relations sexuelles sans pénétration, tout ce qui est sodomie, fellation, etc. Mais alors, il y a un garçon qui m'avait dit, moi, il y a chose que je plus important, c'est que moi, je n'en vois pas la preuve. Parce que quand elle est dépucelée, il a la confirmation que de toutes les manières, elle l'assume, elle a eu une relation, au moins une relation sexuelle avec pénétration. Mais, en même temps, ce n'est pas nouveau. Ce sont les paramètres qui changent. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu la transgression dans nos sociétés et les acteurs sociaux ont à chaque fois trouvé la manière de contourner la norme. Red, l'enfant en donne, qui a existé bien avant même l'arrivée de l'islam dans la péninsule arabique, qui signifie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'un enfant peut rester dans le ventre de sa mère plusieurs années. Alors, il y aurait un hadith, une citation de Aïcha, l'une des épouses du prophète, qui dit « D'ailleurs, Praljani, on fait barni oumi, akfar amin sanate. » Un fœtus ne peut rester dans le ventre de sa mère plus de 2 ans. Chez les Hanabila, c'est 10 ans. Et plus encore, dans la loi marocaine, jusqu'au changement de la Moudawana en 2003, on reconnaissait règles. Parce qu'un enfant était lié à son père jusqu'à 1 an après le divorce ou le décès du père. En Algérie, c'était 2 ans. Au Maroc, c'était 1 an. Et on sait forcément qu'un enfant ne peut pas rester... il peut rester dans le ventre de sa mère, mort, mais il ne peut pas naître 1 an ou 2 ans. C'était en réalité, rêve, c'est quoi? C'était une manière de cacher des relations sexuelles chez des femmes dont le mari était décédé en guerre, parti en voyage, etc. Et on disait, elle a, d'ailleurs dans l'histoire du Maroc, Moulay Idriss II est né 2 ans après le décès de Moulay Idriss Ier. autre chose, je ne sais pas si ça existe encore à Marrakech. À Casa, jusqu'aux années 90, on avait des hammams qui étaient la nuit réservés aux hommes, le matin, la journée aux femmes. Vous avez connu ça à Marrakech, j'imagine. Quand une fille tombait enceinte, on disait Sharbat sur le hammam. C'est-à-dire qu'elle serait partie très tôt au hammam, qu'elle se serait assise à un endroit où était un homme. Et qu'elle aurait aspiré son sperme, elle est tombée enceinte. Bien évidemment, tout ça scientifiquement, c'est du bidon, ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais c'est pour dire quoi? Qu'à un moment, c'était raide. Et à un autre moment, il y a eu peut-être d'autres opérations, d'autres qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas arrivées chez ce cachet. Dans l'histoire plus récente, il y a eu Shabbat Sahman. Il y a eu un petit truc qui n'a pas beaucoup résisté dans les années 90, mais qui à un moment existait. Moi, j'ai connu dans les années 90, l'obsesse Ginger Hoa. Elle est tombée enceinte parce qu'elle a porté le djinn de son frère. Mais aujourd'hui, c'est la réflexion d'Imen, c'est l'Imen chinois. Et dans 10 ans, si la société continue à résister, à reconnaître ces transformations, et qu'on continue à exiger qu'elle arrive au mariage avec un Imen intact, elle réinventera encore d'autres manières de contourner la norme. Et donc la transgression n'est pas récente. Elle a accompagné l'être humain depuis très longtemps, depuis des années. Et ce qui va changer à chaque fois, ce sont les paramètres.